Bah allez, viens t'asseoir. Tu vas la mouiller, ta chemise. Oh, avec ce temps, ça va vite sécher. Dis-moi, t'as connu beaucoup de garçons ? Non. Les garçons, ça m'intéresse pas. Enfin, pas pour l'instant. Tu sais ce que j'aimerais ? Ça va te faire rire. C'est avoir 10 ans de plus. C'est vrai, je déteste ma jeunesse. Je peux pas savoir comme ça me pèse. Je voudrais fermer les yeux et me retrouver très tard, très loin. Avec une vraie vie à moi. Une vie que j'aurais choisie, sans ma mère et sans François. Pourtant, je les aime beaucoup. Et tu l'imagines comment, cette vie ? Bah justement, je sais pas. J'attends. Je fais que ça à attendre. C'est long. Et toi, tu sais ce que tu veux faire plus tard ? Ouais. Moi, j'aimerais reprendre la ferme. Mais à mon compte. Et puis, m'occuper de ma famille aussi. Tu sais, ils ont besoin de moi maintenant. Hein. Ouais. Pourquoi t'as coupé tes cheveux ? Je les ai pas coupés, ils ont toujours été comme ça. Pourquoi ça te plaît pas ? Si, c'est bien. Ça fait un peu Françoise Hardy. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? C'est même pas la même couleur que Françoise Hardy. Tu sais, les couleurs chez les vedettes, on sait jamais, hein. Faudrait peut-être que tu te rhabilles, ils vont nous attendre là-haut, non ? Moi, je veux pas y retourner. Toi, tu veux y aller, vas-y. Hein. Mais c'est complètement con parce qu'ils vont te chercher et si tu restes là, ils vont te trouver. Je connais une cachette. C'est dommage que tu restes pas avec moi. Mais écoute Serge, t'exagères, qu'est-ce que je vais leur dire moi ? Je leur dis ce que tu veux.